السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذ تلميذات أولى علوم رياضية، في هذا السيونس إن شاء الله غادي نصحو أن إكزيرسيس سور لي زابليكاسيون، إكزيرسيس 30 باج 143. التمرين ماشي صعيب بزاف، ولكن فرصة باش تراجعو عاوتاني شوية هاد لي فونكسيون، هاد لي زابليكاسيون، لأن هذا الآخر ديالهم، وربما الأغلبية غادي يكون عندو فرض ما الأسبوع الجاي إن شاء الله. إذا غنعطيكم واحد لابليكاسيون ديفيني دو او فيغ اف كي هي اكس اسوسي اكس كاري مو 3 اكس بلس 2. هنا ما عطيكمش هاد لي زونسومبل، ولكن الفكرة هي او كور ديال الكيسيون فا شونجي هادوك لونسومبل او و لونسومبل اف، غادي نشوفو لانفلونس ديال هداك الشيء ديال داك لو شونجمون سيغ l'application sur les propriétés de l'application, l'injection et la surjection et l'abjection. Alors la première question, ils ont supposé que E est égal à F est égal à Rn et l'ensemble d'arrivée est égal à l'ensemble de départ. L'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée est égal à R. Et donc montrer que F ni injectif ni surjectif. Voilà, F n'est pas injectif. Donc là, ils ont étudié les fonctions de second degré, polynôme de second degré. On m'a dit comme fait là, je le cas les réponses. Alors n'est pas surjectif, n'est pas injectif. Il faut fournir un contre-exemple, c'est-à-dire deux éléments qui ont la même image et qui sont distincts. Alors pour trouver deux éléments, ça va pas tomber tout seul. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher d'abord. Bon, qu'il y a plusieurs méthodes, il n'y a pas une seule. Donc une méthode, on va prendre soit x1, x2 appartient à R2. Alors, tel que f de x1 est égal à f de x2. On a nécessairement x1 est égal à x2 ou il y a un autre cas. Alors, ceci va vous donner x1 au carré moins 3x1 plus 2 est égal à x2 au carré moins 3x2 le tout au carré plus 2. Donc, simplifions par 2. On va rassembler dans le même membre. Donc pour avoir une factorisation, pardon, ici seulement 3x2, pour avoir une factorisation par x1 moins x2, on va faire x1 au carré moins 3x1 plus 3x2 égale à 0. Alors on a bien une factorisation. Moins 3 facteurs de x1 moins x2 égale à 0. Donc j'ai x1 moins x2 facteur de x1 plus x2 moins 3 égale à 0. Donc j'obtiens soit x1 moins x2 est égal à 0 ou bien x1 plus x2 moins 3 égale à 0. C'est-à-dire x égale à x2 ou bien x1 plus x2 est égal à 3. C'est-à-dire nous avons deux cas. Voilà, donc l'avantage de la méthode, c'est à comment chercher le contre-exemple. Alors cherchons un contre-exemple, tel que x1 est différent de x2, ou à le cas de 2 réel qui ont pour cent est égal à 3, on va vérifier qu'ils ont les mêmes images. Alors prenons par exemple 1 et 2. F de 1 est égal à 1 moins 3 plus 2 qui va vous donner 1. F de 2 ceci va vous donner 4 moins 6 plus 2.
Voilà. Non, pardon. J'obtiens ici 4, c'est ça? Quatre moins 6 plus 2 égale à 0. Et là, j'ai plutôt 0, oui, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai f de 1 égale à f de 2, mais 1 est distinct de 2. Alors, je peux affirmer que f n'est pas injectif. Voilà, donc il faut chercher le contre-exemple. Il faut faire la recherche du contre-exemple. Voilà, donc les conditions, attendez, comment je dois trouver le contre-exemple? Alors le contre-exemple est fourni par cette relation. Là, il faut chercher deux réels, tels que leur somme est égale à 3, vérifier qu'ils ont la même image, mais ils ne sont pas distincts. F n'est pas surjectif. Alors là, il faut prouver qu'on a un réel, c'est-à-dire un élément de l'ensemble d'arrivée qui n'a pas d'antécédent. Alors là, il faut utiliser ce que vous avez étudié sur les fonctions de second degré. Voilà, la méthode la plus simple, c'est écrire sous la forme canonique. C'est-à-dire, il faut considérer ceci comme le début de identité remarquable. Donc, je considère ceci comme le double produit. Donc, il me faut le carré de 3 demi et je vais retrancher ce carré plus 2. Alors, ceci va vous donner x plus moins 3 sur 2. Le tout au carré moins 1 sur 8 moins 1 c'est ça pardon moins 1 sur 4 voilà alors pourquoi ça se formule parce que j'ai on a x moins 3 sur 2 au carré supérieur ou égal à 0 alors ajoutons moins 1 sur 4 supérieur au moins 1 sur 4 et donc j'ai f du x est supérieur à moins 1 sur 4. Et ceci va me donner les réels qui n'ont pas d'image. Parce que toutes les images sont supérieures à moins 1 sur 4. Donc les réels qui sont strictement inférieurs à moins 1 sur 4 ne sont pas des images. Par exemple, prenons 0. Non, pardon, ce n'est pas 0, mais moins 1, par exemple. On a moins 1, strictement inférieur à moins 1 sur 4, inférieur ou égal à f de x. Donc, moins 1 différent de f de x, quel que soit x, appartient à R. Donc, moins 1 n'a pas d'antécédent. N'a pas d'antécédent par f dans R. Donc, f n'est pas surjectif. Alors, tous les idées les j'ai fait de la question, voilà, j'ai mis l'étude de la fonction x carré moins 3x plus 2. Alors, comme vous savez, alors, je rappelle là, il a l'étude de la fonction et il va tâter comme la réponse. C'est-à-dire, il y a une connexion entre les applications et les fonctions. Alors, si vous faites le tableau de variation, là, nous avons x carré moins 3x plus 2, x moins l'infini plus l'infini. Alors, c'est 3 sur 2 ici. Et nous avons l'image de 3 sur 2. Alors, on voit tout de suite, là, c'est une valeur minimale. Quelle est une valeur minimale? Il y a une déclitation maintenant, mais donc, un antécédent. Ou là, de toute la représentation graphique, rapidement, ici. Alors là, c'est 3,5. L'image de 3,5, là, je le comme un négatif. Tu comptes presque. Dirac.
comme la réponse est là de la représentation, comment trouver ce mythe. Voilà, la réponse est là. Elle assume l'éna, tu vois que l'éna, il n'est pas injectif. Elle lâche. Si on trace à la droite, à l'écartatina, il n'y a aucun nid derrière qui ont la même image sans être égaux. Et aussi, on a la valeur minimale l'éna. À partir au-dessus de cette valeur, les éléments n'ont pas d'antécédent. Voilà. Deuxième question, pardon. Dans cette question, l'ensemble E, c'est l'ensemble 3 sur 2 plus l'infini, ou l'ensemble d'arrivée F est égal à R. Alors, on vous demande de montrer que F est injectif. Alors, prenons deux éléments de E, tels que F de x1 égale à F de x2. Montrons que x1 égale à x2. On a f de x1 est égal à f de x2. Donc, d'après la question numéro 1, alors on est utile de reprendre les mêmes calculs. J'obtiens soit x1 est égal à x2 ou bien x1 plus x2 est égal à 3. Alors, maintenant, je vais montrer que même dans ce cas, j'obtiens x1 est égal à x2. Alors, si nous avons x1 plus x2 est égal à 3, alors x2, il est égal à 3 moins x1. J'ai x1 supérieur ou égal à 3 demi. Ceci implique que moins x2 inférieur ou égal à moins 3 demi. Ajoutons 3. Ceci devient inférieur ou égal à 3 demi. C'est-à-dire x2 inférieur ou égal à 3 demi. Alors j'obtiens 3 demi inférieur ou égal à x2 inférieur ou égal à 3 demi. Et donc x2 est égal à 3 demi. J'ai 3 demi maintenant plus x1 égale à 3 implique que x1 est égal aussi à 3 demi. Donc x1 est égal à x2 est égal à 3 demi. Donc dans les deux cas, x1 est égal à x2. Voilà. Donc notre fonction f, notre application f est injective. Puis on vous demande de montrer que f n'est pas surjectif. Ah, c'est à cause du même problème que précédemment. Alors, si je choisis par exemple y est égal à moins 1, alors on a, quel que soit, x appartient toujours à 3 plus l'infini, j'ai toujours f de x différent de moins 1 à cause du même problème, car j'ai f de x supérieur ou égal à moins 1 sur 4, strictement supérieur à moins 1. Donc f moins 1 n'a pas d'antécédent, donc f n'est pas surjectif. Question 3, maintenant on va dans E, c'est R plus et F c'est moins 1 sur 4 plus l'infini. Dans le livre, ils ont été écrits 1 sur 4, mais non, c'est moins 1 sur 4. Donc, montrer que f est surjectif mais pas injectif. Alors f est surjectif. F est surjectif. Alors, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut prendre un élément dans f. Voilà, montrons
que Y admet au moins un antécédent dont E par F, ou bien l'équation F du X égale à Y admet au moins une solution dont E, qui est R plus dans ce cas-là. Alors, F de X égale à Y, c'est seulement si X au carré moins 3X plus 2 égale à 0, est égal à Y, pardon. Alors, le meilleur moyen, c'est rassembler ceci, donc, ou bien mettre ceci sous forme canonique, c'est plus simple. X moins 3 sur 2, le tout au carré, moins 1 sur 4 est égal à Y. Alors ceci va vous donner X moins 3 sur 2 au carré est égal à Y plus 1 sur 4. Alors est-ce qu'il est possible d'avoir une solution à cette équation? Oui, car ce nombre est positif. Pourquoi est positif? Car j'ai Y supérieur ou égal à moins 1 sur 4. Ceci implique que Y plus 1 sur 4 positif. Donc je peux introduire la racine carrée qui est égale à Y racine de Y plus 1 sur 4. Alors ceci va me donner valeur absolue de X moins 3 sur 2 est égal à racine carrée de Y plus 1 sur 4. Alors ceci va me donner deux solutions. Soit X est égal X moins 3 sur 2 est égal à racine de Y plus 1 sur 4, ou bien X moins 3 sur 2 est égal à moins racine de Y plus 1 sur 4. Alors ceci va vous donner X, soit X est égal à 3 demi plus racine de Y plus 1 sur 4, ou bien Y, X est égal à 3 demi moins racine carrée de Y plus 1 sur 4. Alors, est-ce que j'ai une solution positive? Oui. On a 3 sur 2 plus racine de Y plus 1 sur 4 est positif. Donc, l'équation F de X est égal à Y admet au moins une solution dont R plus c'est le réel 3 sur 2 plus racine de Y plus 1 sur 4. Donc notre fonction f, pardon, notre application f est surjective. Alors pour l'injection, alors j'ai toujours le contre-exemple de 1 et 2. F de 1 est égal à f de 2, mais 1 différent de 2. Voilà. Donc f n'est pas, même dans ce cas, n'est pas injectif. Dernière question. Dans cette question, on suppose que E c'est moins l'infini 3 demi et F c'est 1 sur 4 plus moins 1 sur 4, pardon, moins 1 sur 4 plus l'infini. Montrer que F est bijectif, puis déterminer F moins 1. Donc le plus simple ici, c'est montrer que tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un et un seul antécédent. C'est-à-dire, je vais prendre un élément de F, montrant que l'équation
f de x est égal à y admet une et une seule solution dans l'intervalle moins l'infini 3, c'est-à-dire e. Alors, f de x est égal à y. D'après ce que précède, on a trouvé que soit x égale à 3 demi moins racine carrée de y plus 1 sur 4, c'est possible car y est supérieur ou moins 1 sur 4, ou bien x est égal à 3 sur 2 plus racine carrée de y plus 1. Or, j'ai y strictement inférieur ou moins 1 sur 4, ce qui implique que y plus 1 sur 4 strictement positif, ce qui implique que la racine carrée strictement positive, ce qui implique que 3 demi strictement positif, strictement supérieur à 3 sur 2. Donc, cette solution n'appartient pas à E. Pour l'autre, j'ai toujours y inférieur ou moins 1 sur 4 implique que la racine de y plus 1 sur 4 strictement positif, c'est-à-dire moins y racine de y plus 4 strictement négatif. Donc, plus 3 demi, c'est-à-dire un réel strictement inférieur à 3 sur 2. Donc, 3 sur 2 moins racine de y plus 1 sur 4 est la seule solution de f de x égale à y dans l'intervalle moins l'infini 3 demi. Donc notre fonction, notre application f est bijective et je peux déterminer f moins 1, il va de s, c'est-à-dire moins 1 sur 4 plus l'infini, vers e qui est moins l'infini 3 sur 2 qui est y associé l'expression de la solution qu'on a trouvée, 3 demi racine carrée de y plus 1 sur 4.